Aujourd'hui, créer des objets en polymère biodégradables, c'est possible. À l'Université de Bretagne Sud, nous sommes allés découvrir l'Istroflex, un éco-produit innovant conçu à partir de poudre de coquille d'huître. Nous, on travaille sur la mise au point de matériaux pour l'impression 3D. Et notamment, on a développé un matériau qui s'appelle l'Istroflex, qui est basé sur un matériau polymère qui est biodégradable et qui est chargé à 20% en poudre de coquille d'huître. Donc, la poudre de coquille d'huître, c'est quelque chose qui est issu du recyclage local morbihannais. Et on utilise cette charge pour rigidifier la matière, tout en réduisant l'impact environnemental du matériau, parce que cette charge qui est commune en plasturgie est normalement utilisée et extraite de carrières. Ici, on recycle des produits qui sont issus de la mer, qui ne sont pas valorisés pour l'instant. Donc là, on a notre poudre de coquille d'huître, qui est issue du recyclage de l'huître chez les ostréiculteurs. Et ici, en fait, on a notre produit final, qui est notre filament pour l'impression 3D, qui nous permet d'imprimer divers objets, tels qu'ici une attelle souple pour un poignet cassé. C'est des choses qui sont faisables à volonté et à façon, à partir d'un matériau éco-responsable. À l'origine du filament qu'on vient de voir, il y a ces petites granules qui sont en fait notre charge de poudre de coquille d'huître mélangée au polymère biodégradable. Donc ces granules-là, en fait, on va les transformer sur ce type de machine qui est une extrudeuse, qui va nous permettre de passer du granulé à un filament et ensuite de pouvoir passer à l'impression sur nos imprimantes 3D. On a l'imprimante qui est en train d'imprimer ce matériau Istroflex. Et là, on est en train de créer un objet qui sert pour la navigation à voile. C'est quelque chose qui a été développé, qui s'appelle le système E et qui permet en fait de maintenir des écoutes sur un bateau pour éviter qu'elle tombe à l'eau. Donc là, l'avantage, c'est qu'on le fait à façon, qu'on a un produit souple qui n'est pas impactant pour la voile, pas de risque de déchirure de la voile. Et s'il tombe à l'eau, malheureusement, on a un produit qui, au final, en fin de vie, va pouvoir se dégrader et ne pas rester impacté l'environnement très longtemps. Là, on a un autre objet qui est aussi réalisé avec de l'Istroflex. Là, c'est destiné en fait à un support pour des éponges dépolluantes en milieu marin. Donc là, on a créé un support poreux, alvéolaire, qui permet à une éponge de croître de façon régulière et protéger de l'environnement autour. L'idée, c'est que le matériau, il tienne quand même dans le temps, parce qu'il a une fonction à tenir. Par contre, en fin de vie, effectivement, on va pouvoir garantir une biodégradation. Alors, on ne la garantit pas à la semaine près, mais c'est des choses qui vont se passer au fur et à mesure du temps et qui vont au moins réduire par 10 la durée de vie des matériaux. Une belle initiative qui nous a beaucoup plu chez The Sea Cleaners grâce à son impact environnemental favorable et qui progressivement nous emmène vers un monde sans plastique.